merci la Côte d'Ivoire, merci la Côte d'Ivoire, merci la CI, merci 225, on est ensemble. Mais la justice dédiée, il y en a, il y en a. Ils sont où? Elle veut la voir! Elle veut la voir! Elle veut la voir! Ils sont où? Elle a tué! Elle a tué! C'est lui le vrai roi d'Afrique! Ma voix est partie! Il a vraiment d'accord de faire le travail! Ils sont où? On va la voir! On a gagné ce soir! Voilà! Je vais aller ici à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, à tout le peuple ivoirien. Ce soir, les éléphants ont montré qui est le vrai roi de la forêt. C'est ça. On dit quitter la route, l'éléphant arrive, et il parle de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons battu ce soir, nous allons manger le tchèp. C'est ça même. Nous allons manger le tchèp ce soir. On va manger le tchèp. Allez-y, tu es au Burkinabé, au Malien. La coupe s'arrête chez nous. Ça ne bouge pas. Je suis fier d'être ivoirien. Merci. J'ai fait le déplacement d'Abidjan à Yamoussoukro. Les éléphants nous ont rendu fiers. Yeah. Ils ont rendu 30 millions d'ivoiriens fiers. Frère Yannick Kessier, merci à toi. Merci à Mas Gravel. Merci à Auré. Surtout merci à Saint-Richard Michael. Tu as mouillé le maillot, mon frère. Le et nous sommes fiers. Ma voix est partie, mon âme est parti, tout mon corps est parti. Je suis là. Je suis debout. Parce que la Côte d'Ivoire, on est toujours debout. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. On est puissant. Aaron, mon gars. C'est ça. On est puissant. Merci à vous. Et puis on est là encore. On est là. La coupe s'arrête chez nous. Viens, gars. On est là. Ça ne bouge pas et on est fiers. Le travail était fait. Ouais. C'est ça qui s'est dit. Dieu dedans. Ouais. Si elle a attrapé Malou même pour que la Sénégal est là. Voilà. Les Camerounais, lié bagage, les corps au village. Il y a longtemps ça a arrivé. Ici, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'excellence. Allez-y, les dire, nous sommes les chefs de la forêt. Quand l'éléphant arrive, même les lions fuient. C'est ça qu'il s'agit. L'éléphant fuit deux lions. L'éléphant fait fuir deux lions. Le lion camerounais qui est trop bien. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Dieu bénisse l'Afrique, nous sommes fiers. Amen. Merci aux éléphants. Amen. Je rentre à mon hôtel. Et puis on se prend pour aller à l'issue. Vive la Côte d'Ivoire. Amen. Sénégalais. Il n'y a plus rien. Hein. Vous êtes partis. Hein. Vous avez gagné les Sénégalais. Hein. Ange. Vous avez gagné les Sénégalais. C'est eux qui ont fait 3 matchs, 3 victoires. C'est le plus difficile. Hein. Si vous partez tomber derrière, devant les pays, là, c'est que franchement, moi, hein. Le plus difficile, c'était Côte d'Ivoire Sénégalais. Vous pouvez, hein. Vous pouvez. Les Ivoiriens. Vous pouvez. On vous a dit sauver notre honneur là-bas. Sauver notre honneur. Pardon.
sauver notre honneur. Sauver notre honneur. On est sorti. Vous êtes resté. On n'est pas là. Si vous n'êtes pas là aussi, ça va. Qui va encore regarder la canne? Il y a une réalité. Le Cameroun n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'est pas là. Il y a une réalité. Sauver notre honneur. J'ai dit que le plus difficile, c'était Cameroun. C'était Côte d'Ivoire, Sénégal. Vous avez traversé ça. Franchement, si vous partez chier devant, là, c'est que franchement. Hein. Alors, chères dames, je vous attends nombreuses parce qu'actuellement, nous sommes en promotion entre le 29 janvier et le 17 février à l'occasion de la Saint-Valentin. Je vous attends nombreuses sur WhatsApp pour pouvoir commander vos perruques. Tout le monde doit être belle ce jour-là. Donc, je vous attends nombreuses. Voilà l'affiche actuellement sur votre petit écran. Donc, commandez via WhatsApp au numéro qui s'affiche actuellement sur votre petit écran. Je vous attends. Il y a de nombreux modèles, de nombreux choix à faire. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce sont des prix imbattables comme vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs. Je vous fournis moi-même des vidéos filmées par moi-même et aussi des photos filmées par moi-même. Je ne vais pas ramasser les vidéos ailleurs, sauf si ce sont nos mannequins qui ont produit la vidéo, etc. Donc, actuellement, là, je suis mon propre mannequin. Et ce que je vous présente, c'est ce que je vous livre. Donc, n'hésitez surtout pas. La confiance, elle est déjà là. Venez commander chez Melissa Hair au lieu d'aller vous faire arnaquer sur des sites inconnus. Je vous attends nombreuses. À bisous. Oh là là, les amis, le Sénégal est éliminé en 8e de finale de la CAN 2024. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à ce TikTok pour le soutien. Ça fait super plaisir. Identifie un pote à toi également directement dans l'espace commentaire pour que lui aussi soit au courant que le Sénégal est éliminé. Donc, de la CAN 2024, victoire du coup de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est donc le pays organisateur de cette CAN. Du coup, dans le match, il y a eu match nul un partout. But du Sénégal à la 4e minute de jeu, but de Habib Diallo, égalisation de la Côte d'Ivoire ensuite à la 86e minute de jeu sur un penalty de Franck Caissier, donc un partout. Puis après séance de tir au but, victoire 5-4 pour la Côte d'Ivoire. Au niveau des tireurs de la Côte d'Ivoire, on peut retrouver donc Nicolas Pépé, Kouamé, Sébastien Haller, Serge Aurier et Franck Caissier qui ont tous réussi leur penalty côté sénégalais. Du coup, Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr, du coup, ont réussi leur penalty, mais c'est Niakate du coup qui a raté son penalty côté Sénégal. Puis Bamba Dieng et Sadio Mané ont réussi leur penalty. Et donc c'est l'élimination du Sénégal qui était le champion en titre, les amis. Selon vous, qui va remporter donc la CAN 2024 maintenant que le Sénégal est éliminé? Et la Côte d'Ivoire, attention les amis, gros favori pour remporter cette CAN, je trouve. Mais quel scénario, les gars, mais quel scénario! C'est incroyable. La Côte d'Ivoire vient d'éliminer le champion en titre, le Sénégal. 1-1 dans le temps réglementaire. La Côte d'Ivoire gagne 5-4 au tir au but, les gars. Je vous l'ai dit ici, on peut s'attacher, on peut dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on peut se titiller, mais quand il y a les vérités à dire, il faut le dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été dans tous les plans supérieurs au Sénégal, les gars. Aujourd'hui, le Sénégal a été under the level. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas existé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que mérité de gagner son match, les gars. Après la première mi-temps, je l'avais déjà dit, les gars. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils ont été forts mentalement. Encaisser un but dès la 4e minute, rester debout, continuer de presser, attaquer, garder le ballon, garder la concentration, égaliser et gagner le match, c'est vraiment fort. Les joueurs ivoiriens, aujourd'hui seulement, demain on recommence, mais aujourd'hui, je dépose. Quand il y a les vérités à dire, il faut le dire. Le dernier match face à la Guinée équatoriale, ils ont été ridicules au stade de ces joueurs, mais aujourd'hui, ils ont fait preuve de caractère, les gars. Découragement n'est pas ivoirien, on l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, les ivoiriens, les joueurs ivoiriens, je vous donne les mains, vous avez éliminé le Sénégal. Déjà, la Côte d'Ivoire encaisse un but très tôt dans le match. 4e minute, ils encaissent un but. Je croyais que c'était fini, les gars. Je vous promets. Je vous jure que je croyais que c'était fini, que c'était plié, que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas revenir. Je croyais même qu'ils devaient même prendre 4, 5, 6 buts. Mais les gars sont restés debout. Et erreur, le Sénégal a commencé à reculer. Les Sénégalais ont commencé à reculer. Le Sénégal, on ne vous a pas connu comme ça. Vous reculez, vous commencez à attendre, vous commencez à jouer la montre. Vous voulez maintenir 1-0 alors que vous avez marqué à la 4e minute. Vous mettez le pied sur le frein, c'est du jamais vu. Vous jouez déjà comme l'Égypte, les Sénégalais. Aujourd'hui, vous n'étiez même pas au rendez-vous. Aujourd'hui, après votre but, vous n'avez plus existé. Et je profite de l'occasion pour vous dire, les Sénégalais, il faut redevenir humble. Quand vous étiez humble, vous gagnez. Quand vous étiez humble, vous ne faisiez pas la gueule, vous gagnez. Depuis que vous avez gagné la CAN au Cameroun, vous voyez trop la gueule. Toute cette semaine, les Ivoiriens ne faisaient pas la gueule. C'était vous sur les plateaux de télé. Même Aliou Cissé, qui est souvent humble. Il dit que non, vraiment, on va prendre la revanche de 72, tout ça. L'arrogance ne donne pas avec vous. Laissez l'arrogance aux Camerounais. Nous sommes nés comme ça. Nous ne sommes pas devenus arrogants. Nous sommes nés avec l'arrogance. Mais vous, vous êtes de nature humble. Le Sénégalais, c'est un homme humble. Regardez quelqu'un comme Pape Diouf. Il pourrit votre équipe. Il pourrit
Il pourrit l'équipe du Sénégal. Il est toujours là avec la grande gueule, en train de parler, en train d'attirer la poisse sur vous, en train d'attirer la malchance sur vous parce qu'il parle trop. Il parle trop. C'est pas que ça le Sénégalais. Les Sénégalais, redescendez sur terre. Vous êtes forts. Vous avez des bons joueurs, mais redescendez sur terre. La vie, la réalité de la vie, c'est tout autre chose. En première mi-temps déjà, vous méritiez. Sadio Mané devait prendre un carton rouge. Je suis désolé, mais c'était un carton rouge. Vous deviez jouer à 10, depuis la 10e minute. Je crois que c'était la 10e minute. Donc l'arbitre était avec vous pour ce coup. Mais après, pénalty des Ivoiriens, transformé par Franck Kessié. C'était un pénalty propre. C'était un pénalty plus que mérité, plus que justifié. La Côte d'Ivoire marque. C'était bien, c'était super. Mais quel match aujourd'hui, les gars. La Côte d'Ivoire, vous avez fait preuve de, vous avez fait preuve de rigueur sur le terrain. Vous avez fait preuve d'abnégation. Vous avez fait preuve de résilience, je voulais dire. Ce soir, vous avez mérité. Vous étiez la meilleure équipe sur le terrain. Vous étiez l'équipe la plus forte mentalement, l'équipe la plus forte psychologiquement et surtout l'équipe la plus forte physiquement sur le terrain. Félicitations aux Ivoiriens. Nous, les Camerounais, à cause de vous, on reste dans la compétition, on reste dans la CAN. Rendez-vous à votre prochain match. Je crois que ça sera face au Mali ou face au Burkina Faso. Je serai là, comptez sur moi. Il va encore serrer couille. Qui a marqué le but là? Mathieu Kessié, le général Camille Makosopi, au nom de tous les Ivoiriens, tu es pardonné. Peu importe l'issue du match, Franck Kessié est pardonné. Peu importe l'issue du match, Serge Aurier a repris son âme de gagnant. Je suis convaincu qu'ils ont regardé ma vidéo. Je suis sûr qu'ils ont vu ma vidéo. Serge Aurier s'est retrouvé. Félicitations à toi, mon gars. Félicitations à toi. Fayet Ernest, tu es en train de convaincre les cœurs des Ivoiriens. Mais Idriss Diallo doit démissionner quand même. Ça, là, c'est irrévocable. Pour nous avoir amené un entraîneur plus court, qui est en train de nous mettre dans toutes les tirs, mis dans les difficultés. Il doit partir. Mais les gars, partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Mathieu, je ne vois pas mon écran de contrôle. Les amis, selon vous, qui va gagner le match? Qui va gagner le match? Makoso Diallo, merci aux frères guinéens, merci à la Guinée qui nous soutient. Je veux voir le match, Mathieu, à côté. Merci à la Guinée nous soutient, la Guinée est avec nous. Quel pays aurait avec nous? Le Gabon est avec nous, le Togo est avec nous. Mes amis, merci beaucoup, force à la Côte d'Ivoire. Regardez comment les enfants se sont battus. C'est cette équipe qu'on demandait depuis longtemps. On vaut rien, mais on joue. On vaut rien, mais on doit se qualifier. Ah, mes amis, c'est fort. Un penalty, Ismaël Sarr, c'est un penalty. Day dem var. Joueur, mon nul dit tout. Nga dal ci xom, du penalty, amul. Koku doon duguli bal bi nga téré koku. Ça veut dire Afrique mom. Je vais vous dire que tout. Sur sous-développement, il faut faire un petit arbitre. Ils n'ont pas de niveau. C'est-à-dire que si le match est décisif, il est de faire. Non, non, il ne faut pas le faire. Il par la force. Il arbitrage maison. Par force. Est-ce que le Côte d'Ivoire est un pays organisateur? Et après, le football. Quand nous avons organisé un tournoi, nous avons fait un coup de bénéon. Il faut qu'on arrête. C'est du vol, ça. Mais tu as Côte d'Ivoire éliminé un champion d'Afrique. Côte d'Ivoire. Sur 11 gagnés, après 11 gagnés, Côte d'Ivoire, nous sommes. Arbitre, moi, souffle les pénalties, nous sommes sur le deuxième but, nous sommes en vitesse. Ok. Mais tu as rendu deux. Tu as rendu deux. Pour Côte d'Ivoire, tu as rendu pour qui? Tu as rendu deux. Un arbitre gabonais, camerounais, VAR, tu as égyptien. Les Sénégalais, vous avez fait trop jamais. Tiens, au bout de ses crampons, au bout des pieds, ce ballon qui va en quart de finale, c'est sifflé. Franck Kessié va s'élancer. La course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Regardez.
Quand on vous dit que l'arrogance ne paye pas, quand on vous dit que l'arrogance ne paye pas, on dirait que c'est la Guinée qui a gagné. Le Sénégal a été battu. Vous êtes nuls. Nuls.